Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de À la découverte de nos hôtels. Alors aujourd'hui, vous allez le voir, c'est un numéro un peu spécial que nous vous proposons à l'occasion des fêtes de Noël. Donc nous sommes partis à la découverte de la Maison des Lutins à Toulouse et c'est parti pour ce voyage magique. On va rentrer dans la Maison des Lutins. Hop, on arrive. Alors voici notre salon, très coloré parce qu'on adore les couleurs. Tout est à notre taille, enfin encore plus petit parce qu'on adore les petites choses en fait. Donc voici les sièges. Pour se réchauffer un peu en temps de froid, on se met devant la cheminée et puis on attend de se réchauffer. Ça y est, je suis réchauffé, donc on se lève. Voici, venez par ici. La télé des lutins, donc il fait très très froid en ce moment, il neige un peu, des fois il pleut, des fois il gèle, mais ça va se réchauffer, nos cœurs sont chauds, donc ça va aller. On va se déplacer vers la cuisine des lutins, faut faire attention à la taille des portes qui sont vraiment très 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 basses. On y va. Hop, attention à la tête. Voici notre salle de bain, nous aimons beaucoup le rose. Avec Tichounou, le petit canard. Donc là, vous voyez tous les détails de la salle de bain. Là, vous vous tournez, vous avez notre cuisine fort belle. Et maintenant, je vais vous amener dans la chambre à coucher car il serait peut-être temps de se reposer. Là, attendez, c'est un passage chez les trolls en face, mais on ira plus tard. Bon, alors, attention à la tête. Ah, nos toilettes, très important quand même. Voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'on a agrémenté de peluches, de choses comme ça un peu chaleureuses. Donc on va aller dans la chambre à coucher. Avec les différents plans des appartements et des maisons des lutins, comme vous pouvez admirer maintenant, là. Rentrez, mademoiselle, rentrez, attention à la tête. Là, nos petits lits pour se reposer. Nos petites pantoufles. Bon, là, j'ai pas mis les pantoufles, mais quand on rentre ici, normalement, on met les pantoufles. Et, très important, très très important, la machine à fabriquer les cadeaux. À les emballer, à les fabriquer, à les emballer, à les fabriquer. Voilà. Et on va aller dans la maison des trolls. Les trolls, nos amis, les trolls. Attention à la tête. Qui se trouve en face. Venez voir. Et voilà, vos amis des trolls qui sont en train de manger, n'est-ce pas? Donc là, vous avez également la cheminée. Donc on se réchauffe. La table à manger, qui est un peu plus grande que celle des lutins, car les trolls... Bon, vous pouvez admirer la décoration beaucoup plus grise, plus marronnée. Plus... Là, vous avez un passage pour aller chez les lutins, car... Les trolls et les lutins communiquent. Ah, là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, c'est les toilettes des trolls et vous pouvez remarquer une différence nette. La couleur verte exprime largement une espèce d'inquiétude qu'on peut avoir quand on rentre dans les toilettes des trolls. Et maintenant, les dames humaines. La chambre des trolls avec différents... Je n'est-ce pas sur le bois, car les trolls sont des spécialistes du bois. C'est bien connu, venez. Là. Bonjour les humaines. Voilà. Là, un petit jeu, n'est-ce pas, pour évaluer la connaissance des humains sur le bois. Par exemple, à votre avis, ce bout de bois, à quoi il correspond? À quel arbre? Il ne sait pas, le genre journaliste a du pain. Et ça continue comme ça sur 6. Ah! Attention la hache du troll. Venez. Je vais vous amener. Je me permets la télé des trolls. Donc pareil, hein, on peut le beau temps, le mauvais temps, le beau temps, le mauvais temps. Et hop. Là. Nous avons les miroirs des trolls. Par exemple, les humaines s'admirent devant ces miroirs. Je comprends, moi aussi je vous trouve belle et mince. Voilà. Là il y a la baignoire des trolls, la salle de bain
à l'effigie des trolls. Avec la boue, ça fait du bien à la peau, l'argile, n'est-ce pas? Et voici le tri des déchets des trolls, parce que les trolls, comme les lutins, sont écolos. Et voilà la cuisine. L'eau, c'est cool, par exemple. Donc avec des petites indications trolliennes ou lutiniennes selon les maisons. Et je crois que là, nous avons fait la visite de la maison des trolls et tout à l'heure de la maison des lutins. Je vous remercie. Voilà, c'était donc à la découverte de nos hôtels. On se retrouve début janvier pour le retour de la découverte de nos hôtels. Au revoir.